Bonsoir, Jocelyn Ménard, musicien d'origine canadienne, installé en Guadeloupe depuis plus de 30 ans. Ma musique est inspirée du jazz nord-américain et de la musique caribéenne, principalement, mais aussi un peu de la musique classique et d'autres influences musicales qui peuvent venir d'un peu partout. Principal musicien qui m'a influencé, en tout cas au tout départ, c'est John Coltrane. Il faut dire aussi que j'avais un pote qui m'avait refilé un album de Coltrane, il était fou de Coltrane et j'ai commencé avec Coltrane. Et évidemment, je suis rentré dans la fièvre de Coltrane. Ensuite, j'ai d'autres influences, évidemment, Monk, Joe Anderson, et dans la génération plus actuelle, on pourrait parler de Chris Potter. J'aime beaucoup, beaucoup les pianistes, Jarrett, etc. Beaucoup d'influences en fait. Pas de chansons que je n'ose dire que j'écoute. Il n'y a pas de mal à écouter quoi que ce soit. Hein. Comme Monk disait, il n'y a que de la bonne ou de la mauvaise musique. Fait que, voilà. Un des musiciens avec qui j'ai adoré collaborer, qui m'a vraiment qui m'a apporté beaucoup, c'est Monsieur Alain Jean-Marie. On s'est rencontrés pour l'enregistrement de mon album Men at Work à Montréal. J'ai rencontré un grand musicien d'une grande humilité au service de la musique. Et franchement, merci. Merci encore. Et quand je le revois, c'est toujours un plaisir. Il y a un musicien avec lequel, évidemment, je serais honoré de jouer. C'est un très bon musicien, un grand batteur, qui s'appelle Brian Blade. Je trouve très, très créatif et bon, il a joué avec plein de musiciens que j'adore, entre autres avec le groupe The Wayne Shorter. Thank you.
une étape dans ma carrière musicale qui était importante, c'est quand j'ai été engagé pour jouer dans un groupe de musique latine. C'était un groupe où on jouait 5-6 soirs par semaine à la Salsa Tech. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. C'était très, très de musique que je ne connaissais pas vraiment. Ça, et l'autre fait marquant, c'est quand la première fois j'ai été joué avec un groupe de compas direct à Montréal, et j'ai rencontré un grand musicien, Éval Maniga. Et ça, c'est une autre étape importante. Je trouve que les musiciens sont très, très, très créatifs. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent, mais à tous les endroits du globe, pas nécessairement qu'à New York, à une époque, c'était New York. Maintenant, on sent des influences de plein de musiciens du bassin caribéen, évidemment, mais même de l'Inde, un peu partout, l'Europe, etc. Il y a beaucoup de belles choses qui se font. Donc, j'ouvre mes oreilles et voilà, et j'écoute.